boosts et des dérapages pour enchaîner sauts, tonneaux et vrilles pour atteindre l'objectif dans les temps. Salut tout le monde, ici Sonic Seven Power, plus connu sous le nom de Sonic. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 24 du Let's Throw de Burnout Paradise, dans lequel nous allons tenter de réparer le fail magistral que nous avions fait la dernière fois. Le jeu a pas l'air d'accord avec moi, apparemment. Je m'en fous un peu de la compassion du jeu. Oula. Ok, en mode non, tu n'as pas le droit de passer par là. Je t'emmerde. Ah, le jeu qui veut m'emmerder. J'ai dit au jeu je t'emmerde, mais va te faire foutre. J'ai dit au jeu je t'emmerde et il m'emmerde à son tour. Malheureusement pour toi, à ton petit jeu, j'ai une voiture ultra résistante. Alors, ça fait quoi d'être remis à sa place pour une fois? Trou du cul. Coucou, c'est moi. Ici, un endroit idéal pour faire des cascades et faire monter le score. Hop là! Allez, 11 000 fois 7, là j'ai le score, amplement, amplement. Combo terminé, et c'est la fin du temps à partie, je crois. Oh la main, 156 645 points sur 50 000. Respect. Là, vous avez intérêt à me respecter pour ce que je viens de faire. Le triple du score demandé. Je pense que cet épisode 24 sera dédié uniquement à la cascade. Ouh. Ah ouais, ok, d'accord. Le jeu essaie de me dire que non, je n'ai pas le droit, mais j'ai le droit de le faire et je vais le faire. Que ça te plaise ou non, petit truc. Tâchons de repérer une nouvelle épreuve de cascade. Justement, il y en a une là, au moment là, quand on parle du gros ours. Et je ne parle pas de Hooper. D'ailleurs, j'aimerais bien voir Hooper faire une vidéo sur ce jeu. Je pense qu'il en a déjà une, mais personnellement, pour l'instant, je n'en ai jamais vu. Mais t'es pas au courant, Stanix ? Pas au courant de quoi? Et Hooper, il a changé les crèmeries. Il est passé sur... il est retourné sur Dailymotion parce qu'il peut plus passer de vidéos sur YouTube. La séquence cascade. Enchaîne dérapage, boost, saut, tonneau et vrille pour le plus gros score dans la limite du temps imparti. Mais tais-toi, espèce d'idiot. Tu vas couper la parole, mes fans. Donc, merci, Sonic, mais maintenant, est-ce que tu sais que Hooper, lui, il est parti. Il est plus sur YouTube, maintenant. Alors arrête de faire une vidéo. Comme tu viens de faire venir, oh ça va vos gueules, hein. Ça va vos gueules. Hein. Je croyais que vous êtes même pas capable de faire l'équivalence ou le tiers de l'équivalence alors. Hein. Tiens. Qu'est-ce que je viens de faire là? Ok, une vrille à plat. D'accord. Reçu, entendu, enregistré. J'ai pas pigé comment j'ai fait, mais je l'ai fait. C'est reparti pour le spot à cascade infini. Vous pouvez faire des cascades à l'infini, hein. Clairement. Et hop là, un super saut de la mouerte. Allez. Oula. Littéralement ici, vous faites ce que vous voulez. What? Allez, 153 000! Oh, je pense qu'on peut arrêter. Ah non, c'est vrai, il faut aller jusqu'au bout de la partie. Et un tout nouveau panneau qu'on n'avait pas eu le temps de dégommer avant. Voilà! Hop là!
Et hop là. Ah, apparemment, on ne peut pas multiplier plus de 8 fois. Bon, allez, allons nous cracher. Et ça suffira pour se déplacer. Wouah! Oh là 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 là! Alors là, King of the World! King of the World, putain! J'ai roulé sur la barrière! La Hunter Takedown 4x4 roule maintenant dans Paradise City. Si tu la vois, fais-la s'arrêter pour l'ajouter à ta collection. Ok, on envoie tout en enfer et on reprendra nos cascades. Ici DJ Diabolica, pour te dire qu'un de mes espions du service des travaux municipaux m'a appelé. Il paraît qu'il bosse sur un projet secret à Waterfront. L'un d'entre vous voit ce qui se passe là-bas depuis le toit du parking dans du soir? Ça peut être très intéressant. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Qu'est-ce que t'en as à branler? Rien, je crois. Exactement. Et maintenant, on y va. Je pense que je vais arrêter de regarder derrière moi sans cesse. Je pense que la différence de son est plus grande. Ça, c'était beau. Bien aimé. On n'a plus qu'à attendre. Dès que j'entendrai un son du capot, je saurai que ça n'est pas dans les parages. Ah ah, j'entends un bruit. Mon stade pour encore prendre des records, je fais ça en off. Allez, je peux faire des records en off, histoire de m'occuper en attendant que je rejoue avec vous. Car je tiens à faire ça jusqu'au bout, hein, avec vous. Abattez un panneau. Il n'échappera pas à ma loi. Ah, je vous jure, on va le 100% iser. Peu importe le nombre d'épisodes qu'il me faudra pour y arriver, je 100% iserai ce putain de jeu. Alors, où est-ce que t'es? 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 Il reste encore 10 minutes. Vous allez voir qu'il va se pointer qu'à la fin de l'épisode. Oh, je crois pas, j'ai battu le record. D'accord. Même sans vouloir battre le corps, je ne bats quand même. Oh, je bats aussi un record ici, d'accord. Alors, tu t'amènes? Vas-y, je t'attends, tête de boucle. Dernier question d'un défi à 14h08. Je vais te faire un Sonic Lightning. Oula! Ce gros phare là, ouais, ça peut être que lui. Il a. Je te vois. Tu vas être à moi. La Hunter Takedown 4x4 est disponible à la casse. L'homme qui tombe à pic. Clairement, la façon dont je l'ai eu là, on ne pouvait pas donner un meilleur titre à ce que je veux. On ne pouvait pas donner. Un meilleur nom à l'achievement de à cet achievement selon la façon dont je sais, je sais pas trop beau ça. Tiens, il est Fusion Power. Placement de produit, placement de produit. Ah ok, d'accord, son truc s'est compressé après que tu l'aies compris. D'accord. Ok. Dans ça. Alors on va aller chercher ce truc, on va le réparer, puis on ira le prendre. Faire ça, ça va améliorer. Oula, je vais pas y rater. New Wreck Air Junkyard. Takedown 4x4, c'est la voiture idéale pour les brutes. Avec la Hunter Takedown 4x4, c'est toi qui décides. Entendu. Eh bien, on va aller réparer ce beau bébé. On lui choisit une finition adaptée. On cherche sa version améliorée et je pense qu'on arrêtera là pour aujourd'hui. Pas très maniable.
serait dommage. Je suppose que ce sera comme pour la pour l'autre sur. Comme l'espèce de camionnette qui était passée pour un tank là. Dans la description c'était. Ça percute, ça se conduit comme un tank, ça percute fort comme un tank, en fait c'est un tank qui s'est passé pour une camionnette. Je pense que ce sera le même genre de bagnole, c'est-à-dire que quand on est à l'arrêt c'est de la merde, par contre quand on y va à fond, ça devient un vrai plaisir. Oh nom de Dieu, il en a dans le coffre ce salaud. Ce petit salopio en a dans le coffre. Alors la finition de qu'est-ce que c'est? Flamme sanguine, la finition 3 je crois que c'est des flammes obscures. Il m'intéresse. Il faut nous trouver une couleur adaptée. Il m'intéresse. Pas mal comme ça. Là ça m'intéresse beaucoup. Pas ce pré-réglage là, non. Mais non, la finition 3, je veux. Non, la finition 2, couleur 100. Il m'intéresse là, là ça m'intéresse. Bof, non. Allez, on va le prendre comme ça. On va chercher sa version améliorée et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Juste là, purée, c'est tout près. C'est parfait. Attendez. Afin de nous assurer la victoire, on va d'abord aller faire le plein de boost. Histoire de ne pas se faire baiser. Voilà, comme ça. C'est parti. Pas au nord-ouest, jusqu'à Crystal Summit Observatory. Oh, putain, c'est loin. Ok, je vais aller tout droit, toi. Ok, on y va. On va tenter de ne pas faire de la merde, j'espère pas me retrouver dans le même type de galère que lorsque j'ai voulu obtenir cette voiture, là. Comme ça, par ici, comme ça. On va se faire le sens, on tente de pas se faire niquer. Bien fermer la route là. Surtout pas te tourne. Donc, je suis droit devant moi. Voilà, ici. Ça, ça dégage de mon chemin. Peu importe l'heure, on ne terminera pas cette vidéo tant qu'on n'aura pas la version améliorée. Ok, déjà une minute écoulée. Encore raté un raccourci. Ah, il y a peu de chances que je remporte la victoire là. Et putain, et en plus je passe sur le côté. C'est pas bon ça. Oula, là, faut pas se gourer, faut pas se gourer. Voilà, je pense que ça suffira pour aujourd'hui.
contre, c'est pas maniable du tout. Même à fond la caisse. Ah. Que 12 victoires. 12. Tu as dominé ce parcours Burning. Alors voilà ta récompense. Une Hunter Takedown Dirt Racer. Passe dans une case pour l'essayer. Et encore un surnom à rallonge. Mais je m'en fous. Je me demande si j'ai le temps d'aller jusqu'à une case pour voir comment ça ressemble. Il y en a une plus près. Je sais que dans les épreuves de takedown, ce genre de voiture remplisse sa jauge de coupe en envoyant des patterns dans le corps. Mais quand on n'est pas dans des épreuves de takedown, je ne sais pas d'où elle recherche son boost. Ah d'accord. Oh, je pense que ça suffira. Hein. Je pense pas que je pourrais rejoindre la forge avant de... Bah allez, tant pis. Hein. On se retrouvera dans l'épisode 25 pour découvrir la version améliorée de ce bon bébé. Salut à tous et bye bye.